pour la dernière fois. T'as ta dernière chance. Sinon, ce sera lui. Et lui, c'est un as de la torture, méthode contemporaine radicale. Il a fait des études pour. Personne n'est encore arrivé à lui tenir tête. Tous ont fini par craquer. Moi, je suis de la vieille école. Mais tu vois dans quel état tu es déjà. Et pourtant, avec mon chef, tu trouveras que tout ce que je viens de t'infliger comme traitement n'est qu'une petite partie de kermesse. Alors un bon conseil, parce que tu as une belle bouille, tu as une belle tête... Parole. Non, c'est vrai. Tu as une belle bouille sympathique et tout, mais seulement tu mens. Et ce n'est pas bien de mentir aux autorités de l'État, parce que désormais les autorités, c'est nous qui avons gagné la guerre. Alors, plus de mensonges. Mais chef, comment vous avez su que ça lui ferait tout avouer? Le taureau ascendant balance n'est jamais une table. Ah, j'ai compris. Non, vous êtes vraiment le commandant. Mais chef, ça ne vous fait rien que ce soit cette femme qui préparait la bière que tout le pays buvait? Mais ce sera bientôt fini. Je vais lui extorquer sa recette et le mode d'emploi de l'usine. Et c'est moi désormais qui serai le maître de la bière. On vendra la bière à tout le monde. On leur parlera d'efforts patriotiques pour la reconstruction nationale. Alors ils achèteront et boiront la bière esprit léger. Comme on accomplit un acte civique. L'argent rentrera à flot dans les caisses. Et nous serons milliardaires. On instaurera un impôt de réconciliation nationale. Après, on prendra tout l'argent de la bière et leurs impôts. Même qu'on fera rapatrier tout l'argent que l'ancien dictateur a placé à l'étranger. On sera hyper riches. Et on ira faire les cons à Las Vegas. Tu as tout compris. Je sais qu'un spectacle vous attend, madame. Mais voyez-vous, de même que l'on ne vit pas que de bol de riz, mais aussi d'art, de même on ne saurait se contenter de ne vivre que de spectacle. Nous vivons aussi de bol d'espoir. Aidez-moi, madame. C'est une prière que je vous adresse humblement, à genoux. Aidez-moi à offrir un bol d'espoir aux vieillards dont on bafoue la dignité, aux femmes battues et violées, aux enfants. Les petits-enfants dont les rêves ont été éteints par les machettes, qui, comme vous le dites si poétiquement, étincelaient à la lumière du soleil. Et d'aller Je me sens quelque peu perturbée. Vous me prenez par les sentiments et... Dites-moi seulement ce que je peux faire pour apporter ne serait-ce qu'un rayon d'espoir à toutes ces malheureuses destinées. Remettre en marche la brasserie. Oh my God! Nickel! Je dois prévenir mon impresario pour qu'il prévienne le moulin rouge de la tournure des événements. Où est-ce qu'il est passé, ma chouchou? Te voilà, toi! Allô? Allô, tiens, Blanco? Espérance? Joséphine Becker. Ja, Joséphine Becker. Wo ich bin? Du wirst mir nicht glauben. Ich bin mit Captain Sanflamant. Non. Le vrai Captain Sanflamant. Le commandant, en revanche, est un parfait gentleman. Ich weiß nicht. Mon agent, John Franco, il me demande si vous avez déjà un impresario. Scrupule! Mais quel scrupule! Mon cher ami, je peux vous appeler mon cher ami. Venant de vous, madame, je prends cela. Je vis cela comme l'honneur des honnêtes. Merci. Mon cher ami, les scrupules à 12% avec prime de dépaysement, stock option, intéressement à la production et autres golden parachutes... Sans compter que si tout va bien... Il n'y a pas de raison que tout n'aille pas bien. Toujours est-il que si tout va bien, vous deviendrez, madame, le temps de renflouer les caisses. La première femme premier ministre de ce pays. La première allemande. La première allemande, surtout. Oh là là, ça va faire jaser dans toute l'Allemagne, ça. J'en vois déjà
des copines d'enfance dans mon petit patelin du côté d'Ingolstadt qui seront vertes de jalousie. Et rien que pour ça. Allez, prenez ça, mon capitaine, avant de repartir à l'assaut. Allez, doucement, ça c'est du costaud. Je la rends dingue, je la rends toc-toc, c'est tout. Mais je n'ai jamais fourni le moindre effort. Tu lui fais des choses cachées bizarres, hein? Ah, c'est plutôt elle qui m'offre. Tu lui offres des bouquets de fleurs, tu lui dis des phrases chargées de miel. Même pas, elle se roule à mes pieds, c'est tout. Alors tu as un gris-gris. Ah, j'en ai pas besoin. Tu as un gris-gris, ouais. Je n'ai pas de fétiche. Ne dis pas le contraire, tu as un gris-gris. Tu l'as refouté. Dis-moi qui t'a préparé. Je n'ai qu'un fétiche, je vous dis. Ah, tu ne lui offres pas des bouquets de fleurs. Non. Tu ne lui dis pas des phrases chargées de miel. Non. Et tu n'as pas de gris-gris. Non. Et tu ne sais pas non plus pourquoi les banques ont été épargnées à Bill City. Ah, mais ça, le dernier des abrutis le sait. Tu sais alors. Mais c'est quand comme tout. Allez, dis-moi pourquoi. Ouais, comme tout le monde. Alors, des manteaux de vision, de ziblines, de. En veux-tu, en voilà. Et surtout. Bien évidemment, tout fonctionne comme prévu. Et il n'y a pas de raison que tout ne fonctionne pas comme prévu. Le Moulin Rouge, construit pour vous à la réplique près à Las Vegas. Pour vous toute seule. Ah non, c'est trop. Là, c'est trop. Beaucoup trop. Chef. Ce sont les enfants. Chut. Les enfants ?